Alors, comment s'est passée cette rencontre avec Madame la ministre ? Excellent, cette écoute qu'elle a d'ailleurs très largement exprimée lors de son séjour en Polynésie française sur un dossier qui était au centre de ses préoccupations, à savoir l'après-cyclone, l'après-Oli. Maintenant, il faut passer aux actes. J'ai déposé un bilan chiffré. Au moment où j'avais annoncé des chiffres en Polynésie, il n'y avait pas encore tout le recensement sur les outils de travail, notamment dans les secteurs hôteliers et la pelliculture. Et il y en a pour 1,5 milliard. Donc, ça fait plus de 7 milliards le montant des dégâts. La ministre, Madame Panchard, a redit ce qu'elle nous avait dit sur place, qu'elle sera à nos côtés, donc elle fait tout, elle fera tout. Et elle m'a encore rappelé qu'elle engage actuellement des demandes auprès du Premier ministre. Elle a promis l'envoi d'une équipe de spécialistes totalement neutre, hein, et pour pouvoir écouter d'abord et enregistrer les propositions des uns des autres et faire à leur tour une synthèse des propositions, sachant que l'objectif c'est de donner à la Polynésie française de la stabilité dans les années qui viennent. Bon, à toi, à bientôt Gaston. Allez, au revoir.